Le Schneider CA1 se présentait sous l'aspect d'une grosse caisse allongée, posée sur un châssis constitué de deux longerons d'acier réunis par des traverses portant à l'avant le moteur et à l'arrière la transmission. Ce châssis reposait, par l'intermédiaire de ressorts, sur deux chariots respectivement à 3 et à 4 galets roulant sur la chenille. Le chariot avant soutenait une poulie de tension. Dans son parcours supérieur, entre le barbotin situé à l'arrière et la poulie de tension, la chenille composée de 34 patins était soutenue par des rouleaux montés entre deux flasques. Le moteur 4 cylindres construit à cet usage par la firme Schneider déployait 60 chevaux au régime maximum de 1200 tours par minute. Le réservoir étant plus bas que le carburateur, l'alimentation se faisait par la pompe. La transmission se composait d'un embrayage en forme de cône renversé, d'une boîte de vitesse à trois rapports multiples et de deux embrayages secondaires agissant chacun sur un barbotin, de manière à pouvoir ralentir ou arrêter l'action motrice à droite ou à gauche et obtenir ainsi le changement de direction de l'engin. Tous ces mécanismes montés sur roulement à rouleau ou à billes étaient actionnés par des leviers et des pédales situés dans le poste de pilotage qui se trouvait à l'avant. Renfermant le moteur et l'armement, la chambre de combat était formée de tôles d'acier trempées à l'épreuve des balles du fusil Mauser à 150 mètres de distance. Des fentes de tir horizontales fermées par des volets réglables permettaient l'observation extérieure. L'accès aux chars se faisait par une porte arrière. Sur le toit, une trappe assurait l'aération. À l'avant, un grand éperon servait d'appui au char quand il basculait à l'avant, l'empêchant d'enfoncer son épave dans le terrain. Pour la même raison, le char était pourvu de deux queues à l'arrière. L'armement comportait un canon de 75 mm Schneider BS de Blockhaus, qui tirait un obus explosif à une vitesse initiale de 200 mètres par seconde. Son tir était précis jusqu'à 200 mètres, mais sa portée utile atteignait 600 mètres. Son secteur vertical était de moins 10 degrés à plus 30 degrés, et le dépassement en direction de 60 degrés. Deux mitrailleuses étaient placées sur chaque flanc. Leur montage sur pivot dans les coupoles hémisphériques permettait le pointage latéral et vertical avec un dépassement en direction de 53 degrés de chaque côté et en site de moins 45 degrés à plus 20 degrés. Schneider combattent pour la première fois le 16 avril 1917 à Berry-au-Bac, sur le chemin des Dames. Ce premier engagement se solde par plus de la moitié des chars engagés détruits par l'artillerie adverse. Le char Schneider montre un volume interne habitable très étroit pour un équipage de 6 hommes et ses capacités de ventilation ainsi que le mauvais champ de vision qu'il offre à l'équipage le rendent pénible à utiliser. De plus, son blindage latéral initial, trop faible, vulnérable aux balles K, à noyau d'acier allemande, et son réservoir d'essence initialement placé à l'avant du char, le rendent très vulnérable. Dans les versions suivantes, le réservoir d'essence est déplacé à l'arrière du Schneider, et la caisse est dotée d'un surblindage de 5,5 mm. Le moteur Schneider, les boîtes de transmission et les chenilles sont relativement fiables, ce qui explique que l'engin reste en service après la Première Guerre mondiale. Il a notamment servi dans l'armée espagnole pendant la guerre du Rif
et jusqu'au siège d'Alcázar de Tolède où disparurent les derniers exemplaires espagnols. Malgré l'amélioration du blindage, l'armée française s'en tient à sa commande de 400 unités à Saumur, mais n'en commandera pas davantage. Le char Saint-Chamond présentait d'indéniables avantages par rapport au Schneider, plus long, avec une augmentation de poids initiale d'un tiers seulement. Il avait des qualités de protection bien supérieures, mais se révéla peu performant en tout terrain du fait de l'importance de son porte-à-faux de sa caisse. Son armement était plus puissant, un 75 mm de campagne placé à l'avant en tirant dans l'axe. 4 mitrailleuses avec seulement 2 hommes d'équipage en plus. Ces dimensions offraient un espace plus spacieux que le Schneider avec une meilleure visibilité. 400 exemplaires de ce modèle furent commandés. Les Saint-Chamond sont engagés pour la première fois le 5 et 6 mai 1917 lors de l'attaque du plateau de Lafaux à laquelle participèrent 12 chars avec de bons résultats. Mais une fois engagé dans la boue du No Man's Land, le long nez du Saint-Chamond a tendance à rester planté dans le moindre incident de terrain. Enfin, sur les premiers chars Saint-Chamond, les chenilles résistaient mal à l'usure et les patins de chenilles donnent des pressions au sol excessives. Le train chenillé Holt, rallongé et remonté d'un caisson blindé de forme allongée, faisait saillie vers l'avant et vers l'arrière. Le moteur Panhard à 4 cylindres à essence actionnait une dynamo fournissant l'énergie nécessaire à 2 moteurs électriques reliés au barbotin de train de roulement. Ce dernier était constitué par 3 paires de bogies, suspendues par des ressorts en volute. Les chenilles étaient formées de 36 patins. Lors d'un premier engagement, en mai 1917, on constate que les chenilles étaient trop étroites et que l'avant du char était trop bas et trop lourd. Il fut décidé de rehausser la partie avant de la caisse, ce qui améliora en outre les possibilités d'observation, et de remplacer le toit plat par un toit en pente pour provoquer la chute des grenades allemandes. Les patins de chenilles seront élargis de 326 à 500 mm. Le canon primitif fut remplacé par le 75 mm modèle 1897. Pour compléter la gamme des chars Schneider ou Saint-Chamond expérimentés en 1916, il fut préconisé un blindé léger construit à très grand nombre afin de saturer les défenses ennemies.
Le but était de franchir les réseaux de fils barbelés, puis de supprimer les nids de mitrailleuses ennemies, malgré le terrain chaotique du champ de bataille. L'automitrailleuse à chenille Renault FT, premier char équipé d'une tourelle pivotante à 360 degrés, constituait une révolution dans l'armée blindée nouvelle. Ensuite, les tourelles de chars pivotants sont devenues quasiment universelles. L'armement du Renault FT était constitué soit d'un canon de 37 mm plutôt SA-18 à culasse semi-automatique et lunettes de visée, soit une mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914. Très rustique par rapport au char des années 1930 qu'il a côtoyé durant la Seconde Guerre mondiale, le Renault FT est manœuvré par un équipage de deux personnes, un chef de char tireur et un conducteur. Le chef de char est soit debout, soit assis sur une sangle, juste derrière le conducteur. En raison de l'absence de système de communication interne et de cloison entre les postes de conduite et de tourelle, pivotant à 360 degrés, le chef de char donne des ordres au conducteur en appuyant l'un de ses genoux contre le dos pour changer de direction, ou en tapant sur son casque pour démarrer ou s'arrêter. Entre 3500 et 3700 exemplaires furent produits. Au tout début, en 1917, ces chars de combat étaient équipés d'une tourelle moulée, qui fut remplacée par une tourelle octogonale et rivetée, appelée tourelle Berlier. Enfin, une nouvelle tourelle arrondie et moulée, tourelle Giraud, suivie en 1918. Aux États-Unis, 950 exemplaires furent construits sous licence, la plupart après la guerre.